Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bah pourquoi je parle comme ça? Salut à tous, c'est Davy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle mise à jour d'Adopt.me qui concerne les Ocean Egg. Qu'il s'agit, je pense, des œufs. Des œufs océans. En fait, dedans, vous pourrez avoir des poissons comme des requins, des petites étoiles de mer comme vous voyez ici. Voilà, moi je monte dessus. Oups. Vous pouvez avoir des petites étoiles de mer et aussi des crabes, mais je vais vous faire voir ça tout de suite dans la suite de la vidéo. What? Il s'est passé quoi au juste? J'ai voulu me téléporter et je suis mort. Bon, je recommence. Je vais vous faire voir les amis. Alors du coup, je prends ma licorne. Voilà les amis, le nouvel événement d'Adopt.me. Par contre, je ne parle pas très fort parce que il y a mes parents juste à côté, voilà. D'habitude, je parle un peu plus fort, mais là, je ne peux pas. Alors, essayez de monter un peu plus le son de votre téléphone ou tablette ou PC. Parce que je ne peux pas parler plus fort que ça. Alors, du coup, la nouvelle mise à jour, ça concerne les nouveaux œufs d'Adopt.me, voilà. C'est juste ça, voilà. Ça concerne des nouveaux œufs, voilà. Il va avoir dedans des étoiles de mer, des crabes, il y a aussi des requins. Ils ont même changé le décor. Ils ont mis en mode sous-marin. Enfin, sous-marin. Ils ont mis en mode dans la mer et tout. Ils ont mis des petits décors que comme si vous étiez dans l'eau. Alors, c'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. J'aime bien le style de. Le style qu'ils ont donné à ce bâtiment, enfin à ces bâtiments. Et donc, je pense que les œufs vont être déposés dans cette boule-là, que vous avez sûrement déjà vu dans la réalité. C'est les boules, vous voyez, où vous mettez 2 € dedans, et vous pouvez avoir une boule dedans, en tournant la poignée. Je pense que à la place des dinosaures, ils vont mettre les Ocean Egg. C'est sûr et certain. On verra ça dans 3 jours. C'est la surprise. Adopt.me, pardon, va nous dire dans 3 jours comment va se passer cette nouvelle mise à jour. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Ils disent pas grand-chose. Ils font juste voir dans leur vidéo. Ils font juste voir les nouveaux animaux d'Adopt.me, mais ils disent pas spécialement. Ils disent pas autre chose en fait. Ils cachent des trucs. Mais les amis, j'espère que les nouveaux œufs, enfin les Ocean Egg, j'espère de tout cœur, ils vont être payants. Mais on pourrait payer avec des dollars, mais pas avec des Robux. Ça serait super pour vous parce que je sais que certains d'entre vous n'a pas de Robux, donc ne pourra pas acheter ses œufs. Si ça coûte des Robux, alors s'il vous plaît, Adopt.me, si vous m'entendez, essayez de mettre des œufs qui coûtent des dollars. Jusqu'à là, les œufs, ça coûte toujours écouter des dollars, comme là, 600 dollars, 750 dollars, ici, 350 dollars, et là, 1450 dollars. Je trouve ça absurde, c'est très cher. Pour qu'est-ce que c'est, voilà. C'est énorme le prix que ça coûte. Je trouve ça absurde. Voilà. Après, c'est mon point de vue si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je trouve ça absurde parce que c'est trop cher pour qu'est-ce que c'est. Enfin, ça dépend. Si c'est une licorne qui se trouve à l'intérieur, ça vaut le coup. Mais si c'est autre chose comme animaux, comme, je sais pas, bêtes pourries. Parce que vous pouvez trouver des, je sais pas, des animaux.
mots comme ça, vous voyez, vous pouvez trouver ça dans l'œuf. Mais voilà. Et du coup, moi j'ai tout ça. Il me reste encore pas mal de bêtes à récupérer. J'aimerais bien tout récupérer, ça serait parfait. Alors si vous avez des bêtes à m'échanger contre les miens, n'hésitez pas les amis, hein, je suis là. Mais il y a peut-être des bêtes que je refuse de vous échanger comme ma licorne. Au fait les amis, juste une chose, si vous voyez par exemple un des V-Fake sur Adopt Me qui vous demande de donner des bêtes, vous ne donnez surtout pas des bêtes, il n'y a que moi qui s'appelle Davy. De toute façon, vous regardez son pseudo, Davy-du-bas, YouTube, YB. Si ce n'est pas écrit ça, ce n'est pas moi, les amis. Ce n'est pas moi. Donc, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez quelqu'un qui me ressemble, qui dit que c'est Davy, que c'est moi en gros, vous lui demandez de faire voir la licorne que je possède actuellement pour être certain que c'est bien moi et tout. Et donc, voilà. Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. C'était Davy et nous on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!